Bonjour Mistral Télé. Alors, je m'appelle Sébastien Gignot, je joue de la guitare et du violoncelle, et mon ami va se présenter tout seul. Comme un grand. Je m'appelle Sheriff Soumano, bonjour Mistral Télé, joueur de cora. Alors, j'ai rencontré Sheriff au Mali en 2002. Je ne me rappelle jamais si c'est 2002. Ouais, 2002. 2002. Et moi, j'étais parti là-bas pour jouer de la musique avec un spectacle de théâtre, en fait. Et puis, on travaillait à l'Institut National des Arts de Bamako. Et puis, j'ai rencontré Sheriff là-bas. Et puis, on a commencé à jouer un petit peu ensemble. On est sortis ensemble dans les bars. Il m'a traîné un peu partout. Et voilà, c'est ça la rencontre, non? Ouais. Peut-être il a eu une autre version. Mais non, c'était comme ça, ouais. Ben, je le connais quand il était petit, donc maintenant il est devenu un grand garçon, mais ça va. Je l'ai fait traîner dans tous les bars à Bamako, dans les coins chics, on faisait de la musique. Et je l'ai fait rencontrer Toumani Diabaté et d'autres grands musiciens du Mali. Et voilà. Exactement. Alors en fait, moi j'ai fait un disque en 2012 qui s'appelle Mélodie des choses, un disque sous mon nom. Et j'avais envie d'inviter Sheriff sur deux morceaux, et donc je l'ai appelé, il était à Bamako à cette époque-là. Et il est venu, et on a enregistré le disque, c'était la première collaboration, et du coup, comme ça s'est bien passé, non? Oui. Ça s'est bien passé. Et du coup, on a eu envie de faire un disque vraiment que tous les deux, parce que sur le disque d'avant, moi j'étais en trio avec deux copains, et puis j'avais invité Sheriff, j'avais invité aussi un joueur de timbalom moldave, j'avais aussi invité un violoniste français qui s'appelle Mathias Lévy. Enfin, il y avait tout plein d'invités. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un disque en duo. Voilà. Dans son album Mélodie des choses, puisqu'il y avait beaucoup d'invités, et après, on a décidé de faire un album à deux, et je me suis posé la question, pourquoi moi? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Pourquoi lui? Parce qu'il est sympa. Non, mais parce qu'il joue trop bien. Et puis en fait, ça, j'ai vu quand on a enregistré le premier disque que ça s'y prêtait vraiment de faire un duo. Et du coup, sur le disque qui va sortir en mai, qui s'appelle African Variations, on a fait tout à deux, et on a juste invité une amie à moi qui s'appelle Naysam Jalal,
à la flûte traversière. Une super amie de Paris aussi. Ah oui, parce qu'on habite tous plus ou moins à Paris. Mais on adore l'Ardèche et la Drôme. Elle a 21 cordes, elle est faite avec des fils de pêche, une calebasse et les bois. Voilà, tout simplement, elle a 21 cordes. Non, j'avais déjà rencontré Sébastien. Après, on s'était perdu parce que lui, il avait des tournées aussi, comme moi. Et j'ai fait 3 ans de tournée avec Didi Bridgewater, avec Roberto Fonseca, 2 ans de tournée avec lui. Et j'ai fait aussi des disques avec le World Cora Trio, avec un Américain et un Français. Et là, j'ai fait un album avec Marcus Miller aussi, et on a en tournée avec lui aussi. Mais n'empêche, je compte beaucoup sur mon pote Sébastien Géniaux. Ouais, moi j'ai joué dans pas mal de contextes. J'ai surtout un nom, moi, dans la guitare manouche. Donc j'ai croisé le fer, on va dire, avec tous les un peu les grands du style. J'ai joué beaucoup avec Birelli Lagraine, Angelo Debar, tous les noms un peu, Stokelo Rosenberg, Didier Locoud, etc. Et puis j'ai aussi toujours fait pas mal d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le jazz parce que j'ai gardé le violoncelle, je suis violoncelliste, j'ai commencé le violoncelle petit. Et donc j'ai gardé cet instrument, donc ça m'a amené à faire des collaborations avec Taraf de Haïdouk en musique roumaine, avec... Théophile au chantre en musique du Cap-Vert. Enfin, j'ai toujours été un peu musicien tout-terrain. Voilà. Alors, on n'a pas de date de sortie pour le disque, mais a priori, ça va sortir courant mai. On ne sait pas encore exactement quand, mais c'est parti au pressage avant-hier. Voilà. Ouais, là, on est en train de chercher la distrib, mais a priori, il sera en magasin et de toute façon, il sera en vente sur le site www.africanvariations.com. Thank you.
En fait, j'ai aussi beaucoup de complicité avec Sherif parce que c'est un musicien très ouvert. C'est un musicien qui a une culture traditionnelle forte, mais qui est ouvert à plein d'autres musiques. Et puis moi, j'essaie de faire pareil. En fait, je viens du classique et puis j'ai beaucoup travaillé le jazz et le jazz manouche. Et puis j'ai essayé d'aller voir un peu partout où ça me plaisait. Du coup, on a des univers assez distincts, mais on a les oreilles assez ouvertes pour essayer de mettre ça en commun sur le moment où on joue, quoi. Donc il y a beaucoup d'improvisation quand on joue. On joue les thèmes des morceaux et puis après on improvise tous les deux comme ça vient, quoi. Ben, sur cet album, c'est moi qui ai composé la plupart des morceaux. Après, on a fait des reprises de Phil Collins et puis qui d'autre là? Sting. On a fait une cover de Sting et une cover de Phil Collins, et moi j'ai écrit un morceau, et sinon c'est Sherif qui a amené des morceaux, soit des traditionnels qu'on a réarrangés, soit des trucs à lui. Voilà. Il y a plus de compos de Sherif que de moi sur ce disque. Si, on a fait quelques dates sans, même avant la sortie du disque. Enfin, le disque n'est même pas encore sorti, mais ça joue encore. Même ce soir, on va jouer à Tournon. Et on a fait quelques dates avant. Et après, c'est les bookings, c'est les bookers qui vont bosser pour nous. Et puis, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Oui, il y a toutes les dates sur le site que je viens de citer. www.africanvariations.com. Merci, Mistral TV. Et puis, à la prochaine, on va se préparer pour faire un joli concert, on espère. J'aime bien les noms de votre télé, Mistral, parce au Mali, à Bamako, on a un club qui s'appelle les Mistral. 1 et 2. Donc ça joue, il y a des concerts, il y a tout un truc qui se passe là-bas. Ben, c'est pourquoi je kiffe bien Mistral. Merci à vous et bonne continuation. Salut. Salut. Je peux continuer à chanter? Merci. Tu discuteras avec lui après.
C'est une association, en fait on est une agence de production musicale qui existe depuis 1998 en Ardèche. Depuis 2004, on est spécialisé en fait dans l'accompagnement d'artistes et l'organisation de tournées. Donc depuis 2004, c'est plus de 2200 spectacles qui ont été vendus en France et dans 26 pays du monde, notamment les États-Unis, l'Afrique du Sud, récemment l'Inde, l'Australie. D'autres pays européens, voilà, donc on accompagne des artistes émergents et reconnus, et en ce moment on accompagne une quinzaine d'artistes, donc c'est surtout centré autour des musiques du monde. Le 30 avril, il y a notre duo italien Ilaria Graziano et Francesco Forni qui passent à Bourgoin-Jallieu. Sinon, l'été, on organise un festival autour des musiques du monde qui s'appelle Terra Tempo. Donc, ce sera la deuxième édition cette année. Donc, de début juillet, donc du 7 juillet à mi-août, c'est une série d'une douzaine de concerts en fait dans les villages ardéchois. Dans des places de village, places d'église, théâtre de verdure ou dans des bâtisses en fait. Avec un intérêt patrimonial architectural. Voilà, c'est très convivial, familial, c'est vraiment ouvert à tous, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, même les aînés, ils peuvent écouter un peu de musique avec la douceur de l'été. C'est très sympathique.